travailler son équilibre. Alors pareil, différents exercices avec des ateliers. Donc celui-là, ici, ça va mettre sur une jambe, d'accord. Et oui, d'amortir, de ramortir, toujours en travaillant sur une jambe. Parce que ben, là, on doit travailler son équilibre et toujours sa proprioception, son maintien. Et ben, je crois que Nico va nous le montrer. Donc voilà, sur une jambe, vous voyez l'amortir à chaque fois et la maîtrise qu'il faut, ça s'appelle de l'équilibre. 8 sur la jambe droite et également 8 sur la jambe gauche. On est d'accord? Donc ça consiste aussi de rester en flexion, vous voyez déjà l'équilibre, de sauter et d'amortir. C'est amortir à chaque fois son saut pour tenir son isométrie. Donc exercice intéressant. Intéressant parce que ça peut rappeler les planches à voile, le skateboard. Tous des exercices, ouais. Bien poids du corps sur l'avant. Voilà. Alors là, il a corsé l'affaire, il a fait sur une jambe, mais normalement, on reste sur ces deux jambes. Et bien sûr, un aller-retour. Donc voilà, c'est montée de genoux, c'est-à-dire que montée de genoux, sur le côté, et après, bien sûr, rester. Pour voir sa stabilisation. Regarde devant toi, voilà. Donc c'est 1, 3, jusqu'à 8, et on tient. Vous voyez, le travail du corps, tenu. Parfait, impeccable, c'est ce que je voulais voir. Donc, n'oubliez pas de rester, bien sûr, avec une jambe tendue, et là, il y a un travail énorme du fessier en même temps, et de l'équilibre, parce que, il faut tenir. Donc, toujours, je répète et répète toujours, ces séries de 8, 4 fois, et vous voyez, c'est intéressant. Et il va marcher sur la barre jusqu'au bout. Alors, vous voyez, il n'y a pas de crainte parce qu'il va avoir une aide. Il monte sur la barre, je lui donne la main. Et voilà. Ça, ça s'appelle l'équilibre. Alors, il peut faire un demi-tour. Hop, voilà, hop. Et voilà. Il refait un demi-tour. Et il contrôle. Et puis après, il saute sur le côté comme un athlète. Voilà, je crois que c'est bien. Donc ça, c'est l'étape supérieure d'équilibre. Parce qu'il y a une prise de risque, on se demande quoi. Mais ça fait travailler aussi son potentiel dynamique et surtout de résistance. Merci Nico. À plaisir. Ouais. En tant que finaliste olympique en gymnastique artistique, j'ai voulu apporter mon savoir-faire. Créer et déposer une méthode, l'Athletic Form. Mon expérience d'athlète de haut niveau m'a permis d'analyser et de mettre au point des exercices pour entretenir son physique et garder sa forme. N'hésitez pas à consulter mon site avec ces nouveaux exercices adaptés pour tout âge et tout niveau. Consultez également les interviews et commentaires des élèves ayant déjà participé à l'Athletic Form. Je suis ouvert à toute proposition, stage, séminaire, ou formule sur mesure. Maintenant, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. À très vite pour la forme.